Hey yo les amis, c'est Amé, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait été jusqu'à la maison que Impa nous avait indiqué, on avait trouvé son frère qui nous a proposé d'améliorer la puissance de notre petite épée et on avait du coup terminé aussi le donjon et là on doit se diriger vers le désert Gerudo ou bien les eaux de Jabul qui sont là-haut, qui sont deux endroits dans lesquels il faut aller pour continuer la quête. Cependant, ils ont perdu un cheval ici. Et du coup, il faut les aider. Ah, il n'est pas à l'ouest, tant pis. Et du coup, ils ont perdu un cheval qu'ils ont dit. Ils l'ont perdu, faites voir, à l'ouest. À l'ouest du ranch. On va essayer d'aller à l'ouest du ranch. De voir si on trouve un cheval à l'ouest du ranch. Je pense que c'est par là. Oui, je pense aussi. L'araignée, elle tape vite et oh waouh. Arachnon. Un monstre aux airs d'araignée d'eau qui flotte sur l'eau. Son troisième saut est toujours plus haut que les autres. Ok. Ah non. Ah, vous allez vous taper entre vous, mais pas moi. Hein. Et oui, la petite araignée, voilà. Elle fait des dégâts, c'est bien, elle tape bien mon araignée. Hein. Qu'un cheval a pu rentrer dans une grotte. Nous le saurons en essayant. Alors, ouh là là, il en touche deux d'un coup, lui. Bim, tu t'es retourné, t'aurais pas dû. C'était la dernière erreur que tu as fait. Ah mais on en trouve un peu partout des fragments de puissance, c'est cool. Effectivement, je croyais qu'on en trouverait que dans les... Que dans les trucs... Boing, boing. Tatatata, j'ai reçu l'écho de viande. Une grosse pièce de viande sur os rôti. Au point, le suc qui en coule rend fou certains monstres. Ah là 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 là. Bon, ça c'est good, ça c'est good. Hâte de pouvoir capturer des blocs d'eau. Alors, où est le dada? Oh, il y a une grosse flèche. Une grosse flèche qui nous dit tape ce truc. C'était évident. Oh. Je pense à toutes les personnes qui n'ont pas vu la flèche ici. Et un point dans la nature. Ok, à partir de ce moment-là, c'est ok en vrai.
Il y a un reset attack en plus. Ok. Ce poisson rond en forme de visage grimaçant fonce droit sur ses ennemis dès qu'il les aperçoit. Eh oui. Bon, après, dans tous les cas, ce qu'on voulait faire, nous. C'était ça. Ok. Alors, c'est vrai que vu comme ça peut être compliqué hein, se voir. Oh mais je suis bête. Eh oh viens. Test. Hey, tue-le là. Ah, qu'est-ce que je m'en fiche. Oui, mais tu vas pas vers là que je veux. Hein. Et voilà. Faut avoir de la patience, mais on y arrive. Hein. Ah, voilà. Ok, bah, en final, on est déjà là et on n'a pas trouvé le dada, hein. Je doute qu'il soit si loin. Thank you.
Voilà, on a réussi. J'étais un peu concentré. C'est un concentré sur un combat que je menais pas en plus, tu vois, c'est... Des pommes. Tout ça pour des pommes. Autant de monstres pour garder des pommes. Tiens, bon. Est-ce qu'on est vraiment à l'ouest là? On est plus au nord-ouest. Normalement, il est censé se trouver là, le. Le dada, là, c'est une autre ville. C'est un autre village. Oula. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans la branche locale du bar Smoothie des Pestes Marchandes. Une boutique de rêve où les clients peuvent créer eux-mêmes de délicieux smoothies. C'est vraiment très facile, il suffit de choisir deux ingrédients. Allez, allez, ne sois pas timide. Bon, vas-y, hein. Créons. Alors, il permet d'augmenter le nombre de corps restaurés. Ok. Elle permet de résister à l'électricité. Ok. Elle permet d'amplifier les effets des autres ingrédients. Bon, attendez, je reviens parce que là, il y a mon chien qui fait n'importe quoi. Je reviens. C'est fou, ça. Ah, bon. Problème réglé. Il avait entendu quelqu'un derrière la porte, alors il pensait que on allait nous attaquer. Alors, le nectar de fleurs permet d'augmenter les effets des autres ingrédients. Donc de ça, par exemple, on va avoir encore plus de cœurs. Il augmente beaucoup le nombre de cœurs restaurés. Beaucoup. Donc c'est plus que permet d'augmenter. Lui, il permet d'escalader les parois plus vite. Trop nul. Utilisé comme ingrédient, il fait briller le corps. Ok, donc là, dans des endroits où c'est sombre, ça peut être sympa. Il permet de renforcer l'effet d'un remède. Permet de renforcer l'effet d'un remède et elle peut offrir une certaine résistance aux dégâts. Ok. Écoutez, on va essayer de faire ça. On va faire ça. Oh, je suis indécis. Le cœur électricité, c'est Yon. Un petit truc ci, un petit truc là. Ok. Un multi-smoothie potentio. Un smoothie. T'as vu tous les cœurs que ça redonne? C'est énorme, hein. On marie en diverses saveurs une riche pulpe aigre douce. Et on n'a pas les effets. Faut qu'on s'en souvienne, quoi. J'ai déjà la composition de ce que tu viens de préparer. La prochaine fois, tu pourras préparer le catagore. Ah ouais, donc en fait, faut qu'on fasse plein de... Mais avec tout ça, on n'a plus le temps de développer une notion aussi. J'ai entendu dire qu'il existait tout un tas de réunions à travers le monde, de quoi créer plein de nouvelles combinaisons. Ok. Si tu pouvais préparer 10 nouvelles recettes savoureuses, ce serait très reconnaissant. Ok. Tu recommenceras. Ok. 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 Non, qui se trouve dans le visage. Ok. Très bien. On va leur parler. Je veux un smoothie. 10, hein, il a dit, hein. Bon, préparer 10 trucs classiques. Hein. Hop. Ça, on connaît pas. Ça fait 2 du coup. Et voilà, mon gars. Ensuite, ça. Ça va faire des trucs qui rendent des PV et qui font briller. Allez mec, on va faire les 10 là. Ça fait 3. C'est pas le même, si.
Non. Viscère de monstre. Non, ça permet juste d'augmenter le... Ça, ça peut être bien. Ok. Mince. C'est noté. Armour. Ok, donc en fait ça fait que 3 là. Ça va me faire briller beaucoup. Ok, 4. Ok. Paf paf. Smoothie aux pommes. Ok. Je sais pas si ça va me faire un autre smoothie aux pommes en fait. Multisme aussi aux pommes. Et du coup là ça va juste faire un smoothie au raisin. Smoothie pendentieux, ok. Avec du lait ça va plus être un smoothie, ça va être un... milkshake. Smoothie lacté. Attends, non. Attends. Allez hop, on combine, on combine, on combine. Faut qu'on combine tout. Lacté sucré. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, il en manque un. Il en manque un normalement. 2 max, parce que bon, voilà, on sait jamais. Essayons. C'est pas ce que ça donne. Oh, c'est aussi bizarre. Ouais, il fallait bien que ça existe ce truc. Avec la pomme de pierre. Ok. C'est bon, j'en ai là. Ah, attends voir. 1, 2, 3, 4, 5, 10, ça y est, objectif atteint. Avec tout ça, au menu, les autres clients devraient pouvoir trouver leur bonheur. Merci mille fois, Wallis et récompense pour toutes ces recettes créées. Minute d'observation. Je ne sais pas à quoi ça sert. Avec elle, les objets cassés ou les monstres vaincus laissent des ingrédients de smoothie ou des pierres de monstres un peu plus souvent. Ok. Notre ligne de ton nom. Ok. Un besoin de 10. Non. 20 autres nouvelles recettes. Ok, bah bon, on va devoir attendre pour ça. Ça, ça m'intéresse un peu plus que les cœurs en vrai.
Voilà. Alors, le dada. Je pense qu'il est coincé quelque part, le dada. On est bien à l'Oasis du Ranch. Ah, j'ai trouvé le dada. Crochet ou un cheval, ok. Ok. Hop là. Oh, c'est notre cheval. C'est vraiment sympa, voyageuse. Merci du fond du cœur. Quand je pense qu'il était tout seul dans son coin, pas dans un coin pareil, lui et moi, nous avons une dette envers vous. Si vous avez besoin d'emprunter une voiture, n'hésitez pas, nos chevaux pour vous, ce sera gratuit. Un cheval peut parcourir de longues distances. Voilà, choisissez le cheval que vous voulez quand vous avez... Ok. Let's gong. Allez, viens avec nous. D'ailleurs, attendez, c'est quoi ce truc-là? Es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Oula. D'accord, bonjour à toi. Salutations, moi c'est Tampon Man, l'homme tampon pour les intimes. Vous avez dû avoir beaucoup de relations, lui. Les tampons, c'est ma vie. Je suis le plus grand spécialiste d'Hyrule dans la matière. Voici, tu vois cette élégante pierre de table. C'est une station de tamponnage. C'est tellement bien un tampon, la sensation que vraiment accomplie. On appuie délicatement sur sa tête, fraîchement trempée dans l'encre. La superbe image qu'il laisse immanquablement derrière lui. Un souvenir, quel bonheur. Imagine qu'on te propose de parcourir le monde à la recherche d'un tas de tampons incroyables, ce serait carrément le rêve, pas vrai? Eh bien, ce rêve, je l'ai réalisé pour toi. J'ai organisé un rallye des tampons. Le principe, se rendre dans toutes les stations de tamponnage que j'ai placées aux quatre coins d'Hyrule. Alors, j'imagine que tu meurs d'envie de te lancer dès maintenant dans la fameuse aventure du rallye des tampons.
Ça ne m'intéresse pas. Non, si, absolument. Je le savais. J'ai exactement ce qu'il te faut, une carte à tamponner. Destiné aux intrépides qui viennent de se lancer dans l'aventure du tampon. Cette carte est faite par Tampon Man est de simple facture. Voilà, mes efforts portent enfin leurs fruits. À présent, inutile d'attendre plus longtemps, fais-moi le plaisir, tamponne gaiement. D'accord, waouh! C'est ce qu'il te reste à faire, exactement la même chose pour toutes les autres stations de tamponnage que tu croiseras. Précision, j'ai installé des stations un peu partout, mais il n'y en a ni sous l'eau, ni à l'intérieur des bâtiments, ni des grottes. Ce serait bien trop dangereux. Bien sûr, si tu arrives à remplir ta carte à tamponner, je te donnerai un petit quelque chose pour te récompenser. Il te reste plus qu'à trouver tous les tampons, bonne chance! Allez, une, deux. C'est bon, c'est tout bon. D'accord. Fais peur, le monsieur. À l'aide. Je crois qu'on peut sauter ça. Oh là là. Voilà, vous le savez. C'était évident, on s'en doutait. On en fait combien? 10, 11? Bon allez, maintenant faut qu'on aille voir les Gerudo. Là. Comment on pourrait monter par là, mais est-ce que c'est vraiment legit? Hein? Mais on avait pas vidé ce camp? Là. Du lait. Ok. Alors oui, il fallait passer par là. Hein? Oui, il fallait passer par là et redescendre par en dessous. Ok, très bien. Je me rappelle. Hop. Attendez. Faut mémoriser les corbins. Écho de Corbos. Ce monstre aux ailes d'oiseau guette ses proies depuis les hauteurs. Il attaque les passants pour leur voler leur rubis. En plus, en plus pour pas se faire toucher. Le rubis se prend portant la vie. Hop là. Vif quand même. Oh, oh wow. Oh là là. Oh là là. On gagne beaucoup de rubis avec ces petits persos là. Oh là là.
Alors, attends, parce que, attends. Un peu chiant ce cheval. Il nous faut donc un lit, je dirais. Un deuxième lit. Un deuxième lit n'est pas le bien, n'est pas l'invité, pas le bienvenu. Une table peut-être. Eh oui. Hein. Oh wow. Vous sentez que la chaleur se fait ressentir là sur mon écran? Regardez, il y a la poussière un petit peu qu'on peut voir. C'est drôle. Hop là, c'était sûr. Hop là. Ah, dommage. Hop là. On récupère ça. On active la petite balise et on va s'arrêter là. Et du coup, la prochaine fois, on ira dans le désert Gerudo. Ah, attendez, je crois qu'il se passe un truc, non? Non, pas encore. Voilà, donc on va s'arrêter là. La prochaine fois, on ira dans le désert Gerudo. On a retrouvé notre Epona qui est où? On a perdu Epona. Mince. Epona! Oh non. Epona est rentré au ranch. Très bien. Bon. Non mais toujours pas. Hein. Donc, sur ces belles paroles, voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le liker et à le commenter. Je réponds à tout dans tous les cas. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, bien évidemment, étant donné que nous sommes constamment en train de faire des lives en ce moment, puisqu'on reprend, c'est la reprise, c'est bon. Sur ce, les amis, passez une bonne journée. À la prochaine et bye tout le monde. Allez, ciao.